Je m'adresse à ceux de Baruti Tabernacle. Ah. Que notre père soit enterré dans la paix avec beaucoup d'honneur. On apprend la mort de l'un de mes pères, mon père, le pasteur Baruti. There is this father of mine, father, the pastor Baruti. De l'église du message Baruti Tabernacle. Il m'a beaucoup conseillé. Il m'a présenté à toute sa famille. He introduced me to his whole family. Il était rempli du Saint-Esprit, homme de message, de respect, la dignité dans cette église-là. Be in that church. On n'acceptera plus. We won't agree at all. Que des pères partent. Seeing our fathers going. Et après, il y a destruction. And after that, there's destructions. Bethel a souffert de beaucoup de choses. Bethel suffered with many things. Prenez exemple de la cité. Let him go in peace and we bury him with all the honors. Mais après qu'il y ait beaucoup de calme. After there will be peace. Prenez les responsabilités. Take that time to have that responsibility. Pour que nous ne puissions pas entendre des bêtises après. Nous allons ensemble parler pendant quelques minutes. We are going to talk a few minutes. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. And we are blessing the Lord for whatever he's doing. Pour toutes les bonnes choses qu'il fait. The good he's doing for us. Qu'il accomplit dans notre église. He's accomplishing our lives. Et aujourd'hui. Today. Nous nous sommes levés avec une nouvelle We wake up. Qui nous blesse encore. We fait bad news. On apprend la mort de l'un de mes pères. We heard about the death of one of our biggest. Vous savez, j'ai des hommes que je respecte beaucoup dans ces pays. I have people I do respect in this country. Des hommes que j'ai décidé, je dis bien, j'ai décidé, j'ai pris la décision. The people for whom I decided. Conduit par le Saint-Esprit. Those are being led by the Holy Spirit. J'ai pris la décision de regarder ces hommes comme mes pères. I took that decision to look at those people. As my fathers. Et parmi ces hommes rares, and among them, the scarce people, il y a mon père, le pasteur Baruti. There is this father of mine, father, the pastor Baruti. De l'église du message. For the Baruti word of God, Tabernacle. Baruti Tabernacle. J'ai entretenu des très bonnes relation avec lui. I had good relationships with him. Il est passé quelques fois me rendre visite au bureau. Ça, c'est ici à l'église. He came sometime to pay visit to me. Il m'a visité quelques fois. He came at times. Et on s'était même entendu à un moment qu'on devrait faire un programme d'enseignement ensemble. We made an agreement that we should work together. Il m'a beaucoup aimé. He loved me too much. Il m'a beaucoup conseillé. He gave me more advices. Et il était toujours là, même dans mes moments les plus difficiles. He was just near, even when I was in the difficulties. Il m'a présenté à toute sa famille. He introduced me to his whole family. Ses enfants, ses his children. Ses petits enfants. His grandchildren. Que je connais particulièrement. I know them particularly. Alors, je lui disais tout le temps, papa, il faut que tu te reposes. And I was telling them to have rest. Et il me disait tout le temps, non, fils, je vais à Boende et quand je reviendrai à Kinshasa, je me reposerai. He was telling me that if I go to Boende and whatever, then I will be coming back and I will rest. Il prenait beaucoup de risques dans l'œuvre de Dieu. He was taking many risks
at go to his work. Il allait même évangéliser parfois à des endroits occupés par des rebelles. He was going in the rebel site. Il n'avait pas d'eau parfois. There was no water. Et il allait à une rivière, n'importe quelle rivière. Un jour, il me parlait d'une histoire. Il riait lui-même. There was this time he was telling mais moi, ça m'avait énervé. He was laughing, but mais, me, mais I was lui, annoyed. Ça lui disait absolument rien. Il and, était tellement simple. For him, it was just nothing. Il m'a dit, il est allé évangéliser un endroit. He went to evangelize to a certain place. Et il y avait un chien mort dans la rivière. There was this dog dead in the water. Et comme il n'y avait pas d'eau, and there was no water. Tout le monde faisait les quinoa. And everyone was doing like quinoa. Lui, il est allé. And he went there. À cette rivière-là. He went to that river. Et il a commencé à boire. And he started taking that water. Une eau, il y avait un chien mort. In that water, there was a dead il dog. Faisait ça pour l'œuvre de Dieu. He was doing that for the et quand work je demandais à ceux qui sont autour, ils me disaient oui. When I was asking the people surrounding him, they were saying yes. Il y a un diacre qui est très proche de lui. There was that deacon next to him. Un jour, je lui ai dit, diacre, on peut pas s'entendre qu'on vole les téléphones de ses pères. We couldn't allow people to steal his phone. Pour qu'il se repose. So that he can have a rest. Mais c'était un homme très, très, très mystérieux. Il connaissait les pensées de tout le monde. He was like a mysterious person. Quand on pensait voler son téléphone, il savait ce qu'on prévoyait he faire. He knew what people wanted to do. Et il était rempli du Saint-Esprit. He had the Holy Spirit. He was anointed with the Holy Spirit. Il disait Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au royaume des cieux. That Jesus Christ is the only way to get to the il se disait homme de message de Branham. He was talking to himself to say that he was a man of Branham. Contrairement à plusieurs, contrary to the others, il n'était pas dans une confusion. He was not in the confusion. Il disait tout le temps. He was saying all the time qu'il a cru au message de Branham, c'est Jésus qui est Seigneur. That he believed in Branham's message through Jesus Christ. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect pour lui. That's why I had more respect on him. Écoutez, Église, on a perdu un père. Listen, Church, we've lost a man. On a perdu un repère. We've lost a baobab. On a perdu une force. We've lost strength. Je serai moi-même personnellement très présent à ce deuil. I'll be there myself. Et je demande à toute la communauté Cité Bethel de faire la même chose. And I'm asking the whole community Bethel to be there. Parce que dans nos moments difficiles, lui-même personnellement était là. Because when I had time, he was coming personally. J'aimerais que nous puissions rendre hommage à cet homme. I would like to make homage to him. Nous allons nous tenir debout ensemble. We are going to stand up together. Et toi qui nous suis à la maison, tu peux faire la même chose que nous. And the one who is following at the house, you can also do the same like us. On va pas prier pour sa famille. We are not going to pray for his family. C'est une famille des serviteurs et servantes de Dieu. I know that his family is a servant of God. And je sais qu'ils vont surmonter cette épreuve. I know that they are going to go beyond this difficult time. Et j'espère aussi que and I hope Baruti Tabernacle sera dans la paix. Baruti Tabernacle will be in peace. Je m'adresse à ceux de Baruti Tabernacle. I'm talking to those in Tabernacle, Baruti Tabernacles. Pendant la vie de notre très cher apôtre Baruti, il y a eu beaucoup de choses dans cette église. When this big man was alive, they had many issues. Je sais ce que c'est perdre un homme, un père et hériter d'une église. Je sais ce que c'est. I know what it is. Losing a great man. Tout ce que je vous demande. What I'm asking you to do. Que notre père soit enterré dans la paix avec beaucoup d'honneur. Let him go in peace and we bury him with all the honors. Mais après qu'il y ait beaucoup de calme.
After there will be peace. Prenez les responsabilités. Take that time to have that responsibility. Pour que nous ne puissions pas entendre des bêtises après. So that we won't hear. On va pas permettre ça. On va pas permettre ça. We are not going to allow that. Que la paix, la joie, let le respect, let la dignité, and dignity dans cette église-là. Be in that church. On n'acceptera plus. We won't agree at all. Que des pères partent. Seeing our fathers going. Et après il y a destruction. And after that these destructions. Bethel a souffert de beaucoup de choses. Bethel suffered with many things. Prenez exemple de la cité Bethel. Take that example of city Bethel. Pour voir que vous pouvez marcher ensemble. So that you can see that we can still work together. Pour le reste, nous sera là pour vous accompagner. For the rest, we are going to be there. Et j'aimerais que toute l'église, I would like that the whole church, pendant une minute, for one minute, que nous puissions acclamer pour la vie so de cette. So that you can applaud for him. Éternel, merci. Thanks, guide Jesus. Et que la paix règne. Let peace be. Que ce moment soit un moment pas seulement de deuil, mais de transfert de grâce. This time not of a funeral, but the time of et que ceux que tu as choisis puissent hériter de ces manteaux. Whatever you've chosen, that they can hear in attendance, that que toute la gloire revienne à toi, Jésus. All the glory be to you. En ton saint nom. In your name. Nous avons prié. We've prayed. Amen. Amen.